Hey, salut à tous, c'est Valbeatbox pour une nouvelle vidéo sur Minecraft et sur ce mode Smash, un petit peu comme Super Smash Brawl, mais c'est un mode. Alors, déjà, je vais vous présenter un petit peu les items. C'est sur le même serveur, même type de serveur que Manzi. En gros, maintenant, ça a un petit peu changé par rapport à avant. En gros, Manzi, maintenant, on va tomber dans une sorte de structure énorme, c'est un gros serveur. Alors, vous allez sur les Smash, c'est EU Smash 3, etc. Alors, y a des items, par exemple la boule de neige, quand vous la cliquez. Déjà, le principe du but du jeu, c'est de faire tomber vos ennemis. Le but, c'est de faire tomber vos ennemis par terre. Et vous pouvez faire, vous voyez, la barre d'XP, en fait, un double, déjà un jump normal et double jump dans la direction où vous regardez. Et vous allez avancer. Et votre barre d'XP et la barre de recharge du saut, qui est quand même assez rapide. Par exemple, là, si je regarde en l'air, vous allez. Oh, je peux pas monter là-haut comme ça. Vous allez voir que, hop, je vais juste monter en l'air. Après, il y a la boule de neige, c'est pour faire tomber. Hein. Le smash, ça, c'est pour taper un petit peu mieux. Ça, c'est pour donner un buff de vitesse. Ça, c'est pour essayer d'attraper les personnes. Et en cliquant dessus, on peut les attirer. Pour l'instant, je connais peut-être pas très bien. Peut-être pas la très bonne explication. Bon, là, vous avez un arc pour pouvoir tirer sur les joueurs. Ça, c'est des épées, mais évidemment, de plus en plus fortes, qui peuvent taper de plus en plus loin. Hop, la nourriture, un petit peu comme dans Super Smash Brawl, hein, réduit sur dommage pointe. C'est en gros, quand vous prenez des dommages, en gros, c'est comme dans Super Smash Brawl, quand vous tapez, vous avez des pourcentages. Et vous avez des pourcentages, plus quand on vous tape, vous volez bien. En gros, quand vous volez, vous avez plus de chances de tomber. Et quand vous mangez ça, vous volez moins. En gros, ça vous réduit vos dommages. Underpearl, c'est par exemple, vous tombez, vous cliquez, ça vous téléporte, même si c'est pas une vraie Underpearl. Ça, c'est par exemple, c'est une bombe. Vous cliquez par terre, hop, elle va là, vaut mieux partir. Ça va bouger tous les cubes et ça va faire exploser la TNT. Bien sûr, on pose et on recule, ça explose. Ça peut faire vraiment voler si on est dessus. Et ça, c'est un petit peu comme les mines aussi dans Super Smash Bros. Que vous mettez par terre. La fleur, je sais pas trop, je sais même pas trop si elle est utilisée. Pour l'instant, là, j'ai présenté plus ou moins. Déjà, on va commencer. J'essaie de vous présenter les maps gratuites, hein, parce que j'ai pas acheté le jeu. Public map. Il y a 4 joueurs sur 8, on peut voir. Hop, 4 joueurs sur 8. On voit peut-être pas très bien parce que je suis un petit écran. Et là, 0 sur 8. Et ça, c'est Sponge. Et c'est un peu la meilleure. Il y a 4 maps gratuites. Public map, 3 sur 4. Celle-là que je n'aime pas trop. On va se rejoindre tout de suite pour le début de la partie. A tout de suite. Et on se retrouve avant de commencer la game. Bon, sur la map que je vais présenter, déjà un petit peu pour faire une petite analyse. Ça, c'est l'étage le plus haut. Là, je suis en mode spectateur, on peut bien le voir. J'ai plein de pouces. Là, ils font leur partie, ils finissent leur partie. Ça, c'est de la viande. Ça tombe aléatoirement. Donc, moi, je conseille d'essayer de rester tout le temps en étage plus ou moins du haut. J'ai fait quelques parties dessus. L'avantage, c'est que sur celui-là, voilà, on peut monter très facilement et assez vite sur cet étage-là. Donc, tout le temps rester sur cet étage-là si on le peut. Après, je dis ça, mais on peut pas toujours. Parfois, on respawn en bas et on se fait spawn kill. Ce que j'ai pas précisé, c'est que vous voyez la petite barre d'XP là, ça c'est un mob. Hein. Et là, il vient de récupérer un mob, c'est une Pokéball qui peut lancer. Là, vous voyez ma barre d'XP est diminuée. On peut faire aussi des attaques. Hop, bon, là, j'ai. Là vous voyez il y a eu des petits traits et ma barre d'XP remonte plus doucement. J'ai fait, en gros j'étais en vol et j'ai fait sneak qui fait un petit peu de dégâts tout autour de moi. Là je vais le refaire, hop, du dégâts tout autour de moi, vous voyez, et ma barre d'XP remonte petit à petit. Donc il va falloir attendre, sinon voilà, on ne peut pas sauter. Hop, on est obligé de rester collé au sol. Et aussi le numéro d'XP qui s'affiche ici, c'est le nombre de pourcentage, un petit peu pour ceux qui ont joué à Super Smash. Super Smash Bros. Je crois qu'il y en a plein. Bon, à Super Smash. Voilà, là il y a une bombe qui a explosé. Normalement, c'est pas fait comme ça habituellement. Oups, il va falloir que je sorte parce que ça se reconstruit au fur et à mesure, vous voyez. C'est le numéro, ça correspond plus ou moins au pourcentage. Donc, plus on en a, moins bon c'est. On se retrouve tout de suite pour la partie vidéo. A tout de suite. Hey, on se retrouve là. J'ai de la chance. Je viens de tomber sur une partie. Je vais essayer de faire un truc pas trop dégueu parce que pour l'instant, j'ai pas super bien joué. Donc, je préfère quand même vous donner une petite carte. Un petit gameplay quand même assez potable. Là, il y a une épée. Il va la choper. Ok.
épée en bois, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai spawn direct sur une épée en diamant et j'ai crash. Donc j'ai pas pu finir la game. Hop, par contre ça m'énerve. Hop, faut sauter comme ça. Hop, j'ai une épée en bois. Je sais, c'est pas super, mais bon, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que de rien avoir. Ou la bouffe, c'est pas trop mal aussi, parce que ça nous permet tout le temps d'avoir, d'être un petit peu mieux. Stuff, hop. Stuff, en gros, quand on se fait taper, on peut enlever le point de damage. Hop, on essaie un petit peu d'aller dans l'action. Hop. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont en team. Ah non, ils sont pas en team. Là, vous voyez, j'en ai tué un. Hop, toi, tu vas mourir. Hop. Ou crash. Oh non, enfin, c'est un lag juste avant. Crash, non, j'ai pas crashé, mais ça a lagué juste avant. Ça n'a pas arrangé le tout. Tout à l'heure, il y en a, vous avez peut-être vu le creeper électrifié bas, c'était un œuf. Ouh, ça c'est aussi un œuf. C'est quelque chose qui a pété et qui. Voilà. Hop, pour enlever vos objets, vous. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'épée, normalement, vous appuyez sur A. Hop, non, on va pas aller suicider. Et là, vous voyez, il me reste 2 cœurs. C'est-à-dire, il me reste 2 vies. Hop, on va essayer d'aller faire un peu de kill. Hop, toi tu vas mourir. Là, t'es où? Hop, toi aussi. Hop, allez, venez ici, hop, tiens, j'arrive pas à les avoir, un peu chiant, ouh, oui je sais j'ai une épée en pierre, mais quand même, hop, ouh, lui, on est encore, là on est tous les quatre dessus, hop, toi tu vas mourir, hop, non, j'ai pas réussi, c'est dommage, il me reste plus qu'une vie, on va essayer de survivre, hop, toi tu meurs, hop, je préfère être en haut, mais bon, parfois on peut pas tout le temps. Oh, un arc, ça peut être pas trop mal. Hop, du sucre et un arc. Oh, je vais prendre le sucre. Il n'y a plus l'arc. Hop. Ouh, ça c'est chaud. Le sucre donne un buff de vitesse pendant un petit bout de temps, 40 secondes, il me semble. Hop, on va prendre la soupe. Ça peut toujours être utile. Hop, donne un buff de vitesse et après bah, il donne un buff de lenteur, c'est pour ça que j'aime pas trop parce que c'est à double tranchant hein, ça buff de vitesse et ensuite hop on va bouffer la soupe, vous voyez j'avais 2 levels, hop ça a diminué donc normalement je prends un peu moins cher, vous voyez il me reste 14 secondes encore, hop c'est nickel pendant 14 secondes encore et voilà, maintenant je commence à ressentir les effets pas bons, hop on va se mettre en sneak, hop en attendant j'ai toujours lenteur, ok maintenant c'est bon. Et en plus j'ai une épée en cobble, souvent c'est la plus standard et la meilleure, l'iron est beaucoup plus rare, il y a une bombe, faut faire gaffe, c'est une fireball qu'il a, essayez de me la mettre dessus je pense, hop on est plus tous les deux, j'ai l'impression, tiens, meurs, hop, il a dû mettre la fireball juste derrière, hop, non il a pas posé toujours, je sais pas s'il va la poser ou quand est-ce qu'il va la poser, c'est ça qui me fait peur, hop. Crève. Je crois que je l'ai envoyé. Ouh, il y a... Oh non. Non, je suis dégoûté. Il m'a fait péter juste avant que je meure. Ah, bien joué. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis arrivé avant-dernier. Là, comme on va pouvoir le voir, option, outil, opacité. Hop. Là, comme on le voit, je suis arrivé avant-dernier. J'ai utilisé 5 objets. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve. Je vais peut-être en refaire une à la suite. Là, ça n'a pas été très bon. J'ai juste besoin d'aller là-bas. Hop, donc là, j'ai mis le chat au maximum. Je vais recliquer là-dessus. Ok, je vais en refaire une deuxième là, à la suite. Donc, on va remettre l'opacité du chat comme ça. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, sur cette map, je vous présenterai les autres maps. Vous inquiétez pas. Voilà, comme c'est la même vidéo, j'ai pas utilisé assez le serveur qui fait du dégât un peu partout. Hop, la prochaine fois, je vous ferai une autre. Ah merde, là j'ai pas mon jump qui est rechargé au boost, au max. Hop, c'est pour ça que c'est un petit peu chiant ce truc là, parce qu'après le jump, il faut qu'il se recharge. Hop, merde, je crois que j'ai même pas tapé. Meurs, enchaîné. Hop, je l'ai fait tomber, hop, de la TNT, j'aurais bien aimé la choper. Hop, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Essayez de. Pas se prendre des coups d'épée. Ouh, ça c'est beau ça. Hop. Elle essaie de me taper à l'arc. Hop. Ça je lui pose. Là c'est. Oh non, je suis tombé. Hop, c'était un creeper électrifié.
Et j'avais 52 de damage. Je suis le premier à mourir en plus. Voilà. Pourtant j'y ai joué un petit peu quand même, pas mal. Pendant 2-3 heures c'est tout. Hop. Oh c'est déjà pas mal. Hop. Hop. Ils sont... Oh, il a mis un blaze. Hop, 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 hop. Top. Ça par contre, ça j'avais pas ça. Ça lag, c'est parce que ça pète la map en fait. Hop. Non, je suis dégoûté. Ah, c'est dommage. Pour même pas 1,5 bloc. Même pas 1,5, c'est pour ça que je suis, faut dire. Même pas un bloc, c'était ça le problème. Ou une canne à pêche, on va essayer. Hop. Hop, normalement, c'est ça. Et j'ai pas l'impression que ça marche super bien. C'est pas que ça marche pas bien, c'est que je sais pas l'utiliser. Normalement, c'est on prend un joueur comme ça, on le sélectionne et après on peut le tirer vers nous. C'est pas trop mal, mais il faut réussir à le choper le joueur. Hein. Ah. Hop, hop. Et là, je vais pouvoir le tirer. Hop, et je me barre. Oh, c'est pas trop mal la canne à pêche, ça va. Ya, je me fais taper. Hop, pas trop, mais bon. C'est pas. Oups. Hop. Je me fais taper. Hop. 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 Ah, j'arrive pas à monter. J'arrive pas. Là, il faudrait que j'essaie de trouver de la soupe ou un truc comme ça. Hop, tap, 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 hop. Oui, j'ai réussi à survivre. Hop. Hop, là, j'ai changé d'item en bah, sur le truc pour jeter les items. Bah, vous jetez. Hop, on va juste récupérer l'arc plutôt. Parce que l'arc, c'est mieux. Oups. Bon, bah, on va aller à l'autre. Hop, une soupe, par contre. Ça, je m'en fous. Je récupère. Voilà, j'ai presque enlevé mes 32. Bah, j'ai même enlevé mes 32. C'est pas trop mal. Hop, hop, hop. Toi, je te fais du 4 de damage. Hop. Hop, j'ai failli tomber. Ça a pété ça. Oh, une épée en iron. Oh, failli tomber. C'est un petit lag. L'épée en iron, ça fait vraiment mal. L'épée en diamant, je sais pas trop. Parce que je me suis plus ou moins jamais pris des coups d'épée en diamant, moi. Hop, descendu. Là, il y a un joueur. Plus que 3 ou 4. Ah, bah non, il y a personne qui est mort encore. Avec moi. Hop, il s'est téléporté grâce à l'œil de Lander. Ah non, il s'est pas téléporté encore. Meurs, meurs. Mais en tout cas, il pourra toujours se téléporter. Alors c'est un petit avantage. Ouh, j'ai un peu peur là. Failli tomber. Hop, on va plutôt prendre ça parce que mon épée en iron était morte. On s'en fout, j'ai deux dommages de toute façon. Hop, je suis pas très bon là de toute façon. Hop, hop. Là vous voyez, là j'avais un buff. Hop. Et, voilà, je peux casser les blocs. Quand t'es contre, maintenant on peut casser quelques blocs. Hop, 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 hop. Ah, pas tout. Il a récupéré la pomme. Enfin, c'est dommage. Hop. Wow, il m'a fait le truc explosion là. Hop. 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 C'est bon. Par contre, ça va, il prend cher quand même. Hop. Merci. Là, il y a une bombe. Hop. Bon, je suis à 61. Hop. On se barre. Ça a dû faire péter toute la map. Et merde, je fais tomber. Hop, on va juste prendre la boule de neige qui est là. Où est-il? Ah, je crois qu'on est plus que deux. Oh, tu es là. Ah, t'es monté. Ah, il arrête pas de monter. La boule de neige est pas super bien. Ça, je le confirme. Hop, merde. Sauter dans le mauvais sens. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah c'était Valubox, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut à tous.